نستهل أخبارنا الاقتصادية لنهار اليوم، حيث انطلقت اليوم بجامعة البليدة فعاليات الطبعة الثانية لمنتدى المؤسسة والجامعة، والذي يشرف على تنظيمه منتدى المنتجين والمصنعين لمتجة بمشاركة أزيد من 100 عارض من كبريات المؤسسات، وذلك للاحتكاك بالطلبة وتزويدهم بالخبرة. كما تم اختيار 4 مشاريع أفكار مبتكرة سيتم التكفل بتمويلها من طرف المنتدى ووكالة أونسيرش. أحمد محمودي حضر وعاد بالتالي. C'est une plateforme d'échange بين المؤسسات les entreprises et les étudiants. Il y avait une grande séparation entre les deux. D'ailleurs, on a fait un rapprochement. Un rapprochement parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'il ne faut pas créer des généralistes, il faut créer des spécialistes et voir les problèmes de l'étudiant, voir les problèmes des entreprises, comment essayer d'améliorer l'environnement. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a eu à peu près 100 exposants dans le Jamia pour que l'étudiant vienne voir c'est quoi le monde de l'entreprise. Il y a quand même 4 porteurs de projets, 4 projets innovants que moi-même et le CIMI, on va les suivre jusqu'à la réalisation du projet. Donc, ils vont créer leur entreprise. Une partie du financement sera financée par le CIMI et l'autre partie par l'ONSEJ.